Je vous changerai pour rien au monde. Donc, ne pas faire l'amour sur Keith Jarrett. Mais ça m'inspire une question sur la musique et sur les fameuses playlists love que certains peuvent mettre. J'ai cru que vous alliez me demander mon fiasco sexuel à moi. Vous en avez connu, vous ? Bah évidemment, tout le temps. Mais ah, c'est la base de mon métier que de rater lamentablement dans ma sexualité. Déjà, le plus insolite. C'est vrai que comme moi, je suis obligée d'essayer plein de choses. Et bah bien sûr que je me plante tout le temps. Mais alors, racontez-nous un fiasco racontable. Oui, à un moment, j'ai voulu faire comme dans ce film qui était sorti, oh là, il y a un petit moment, qui s'appelait The Pillow Book, où c'était une nana qui faisait de la chorégraphie sur le corps de son amant. Et j'ai essayé de faire ça avec un produit qui n'était pas fait spécialement pour le corps, et j'ai donné une allergie de la peau sur le pénis de mon partenaire. Donc, oui, effectivement, voilà. Fiasco sexuel total. Vous avez gardé le partenaire ? Non. Ça doit défiler, hein. Ouais. Il faut tester. Vous, il y a des produits qui savent faire ça, et maintenant je le sais, je ne ferai plus cette erreur. Faut bien regarder les allergènes, c'est comme au restaurant.